Salut à tous, c'est Infinity, et j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui n'est, je pense, pas le plus tendre. Vous l'avez compris, je vais parler du conflit Ronaldo versus Messi. C'est un sujet très sensible, je dirais même très sensible. Et oui, quand certains vont jusqu'à tuer leurs potes pour une histoire d'avis contradictoire, je pense que c'est le bon terme à employer. Et pour ne pas persécuter les fans de foot, ce comparatif se fera en trois catégories distinctes. Avec appui vidéo bien sûr, et un total de points. La première catégorie parlera de l'image des joueurs envers leurs fans, le monde du foot, les médias, et l'image en général quoi. La deuxième quant à elle parlera tout simplement du niveau des joueurs. Et la troisième parlera forcément du palmarès des joueurs. Enfin bref, trêve de bavardage et passons tout de suite à la première catégorie. C'est parti. Pour Ronaldo, c'est assez mixte. D'un côté, Ronaldo est un gentleman avec ses fans, mais avec les médias, est souvent moins ouvert. Vous allez certainement me dire que l'essentiel, c'est d'être ouvert à ses fans et non pas aux médias. Mais l'image qui est ensuite retranscrite par les médias est erronée et influe donc sur certains spectateurs de football. Ne parlons pas de dons avec Ronaldo, ce qu'il fait est tout simplement exceptionnel niveau don. Même quand un supporter striker rentre sur le terrain, il reste un gentleman. Sur l'image et la générosité de ce joueur, il n'y a vraiment rien à dire. Sauf petit bémol pour sa relation avec les médias. Pour Messi, c'est un peu l'enfant sage, voire timide. Et qui dit timide, dit un peu moins proche de ses fans. Même si Messi reste très proche de ses fans, il l'est certainement moins que Ronaldo. La preuve en est, avec les médias, il ne se montre presque jamais publiquement, ne fait jamais d'interview. Que ce soit celle d'avant-match ou même les autres, le très bon point pour Messi, c'est que les médias l'encensent. Et relaye tout le contraire de Ronaldo, qui est décrit par les médias comme quelqu'un d'étant arrogant. Et pour Messi, c'est tout le contraire. Sur ce point-là, assez difficile de juger, mais je donnerai le point à Ronaldo. Car avoir une telle générosité envers ses fans, les œuvres caritatives et tout ce qui va avec, c'est vraiment extraordinaire. Concernant Ronaldo, Ronaldo à Manchester et Ronaldo au Real Madrid sont deux Ronaldo différents. Mais nous allons quand même prendre en compte ces deux styles. Le Ronaldo à Manchester était un joueur ultra technique, fougueux, explosif et percutant. Mais son efficacité n'était pas aussi bonne qu'au Real Madrid. Plus dans l'altruisme que dans la constante finition, il était au sommet du football anglais et même mondial. Et oui, puisqu'il a remporté le Ballon d'Or à Manchester United. Mais depuis son arrivée au Real, son style de jeu a pas mal changé et pas en mal. Il a vraiment épuré son jeu pour être plus dans la finition et l'efficacité. Et ça n'a pas manqué puisque depuis qu'il est madrilène, ses stats sont tout simplement affolantes. Ses grandes forces sont sa vitesse, son jeu de tête, son jeu physique. Et depuis peu, il a même un côté altruiste qui renaît. Un vrai prototype du football. Messi a quant à lui fait toute sa carrière à Barcelone, en tout cas pour le moment. Et lui prône un jeu plus technique que Ronaldo. Individuellement, Messi est certainement ce qui se fait de mieux dans le football mondial. Il est capable de faire la différence à n'importe quel moment face à n'importe quel obstacle. C'est tout simplement un vrai génie. Son côté altruiste est tout aussi hors norme. Des passes laser, des transversales millimétrées et un art de la dernière passe tout simplement majestueux. Qu'il a peut-être un peu piqué à Iniesta. Niveau finition, Messi n'a rien à envier à Ronaldo. D'ailleurs, Messi lui aussi finit ses saisons avec des stats affolantes. Ses grandes forces sont sa technique, sa vitesse, sa finition et son grand altruisme. Pour définir leur style de jeu en d'autres termes, Ronaldo ce sera plus le mec qui te termine l'action en ayant eu un grand impact dans le match, et Messi c'est le mec qui te crée le jeu et qui te le finit aussi. Donc je pense que le point revient à Messi. Palmarès de Ronaldo. Palmarès de Messi. Sur ce point-là, Messi est beaucoup plus jeune et a déjà beaucoup plus de trophées individuels et collectifs que Ronaldo. Mais Ronaldo a quant à lui gagné un trophée majeur avec sa sélection nationale. Et Messi, pour le moment, aucun. De ce fait, je penche plutôt pour une égalité. En conclusion, nous avons deux grands joueurs face à nous. Avec encore, je l'espère en tout cas, de beaux jours devant eux. Et comme je l'ai dit à l'instant, Ronaldo a moins de trophées que Messi. Et donc le bon point pour lui serait de gagner plus de trophées et d'essayer de rattraper Messi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu en tout cas. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à partager. Et surtout, si tu as des propositions pour le prochain Versus, ça se passe dans les commentaires. Allez, ciao !